Non, bon samedi à tous, heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux. Bon week-end, c'est samedi, reposez-vous. On est le 16 novembre 2019, 7h38, heure du Québec. J'en ai déjà parlé il y a longtemps, mais j'en reparle maintenant. L'anomalie de la mer Baltique, hein? une espèce de découverte étrange qu'on a faite. Est-ce que c'est un ovni écrasé ou une formation de roches naturelles? Pas facile de répondre à cette question-là. On peut voir l'image ici, hein? C'est vraiment fascinant. Dans les annales de mystères inexpliqués, l'anomalie de la mer Baltique est l'une des découvertes les plus étranges en eau profonde de la dernière décennie. La découverte a eu lieu en 2011 lorsqu'une équipe d'exploration en eau profonde nommée Oceanix a découvert une formation inhabituelle à 300 pieds sous la surface au large des côtes suédoises. Après une inspection plus poussée, des plongeurs et des membres de l'équipage de surface ont signalé des dysfonctionnements de leur équipement électrique chaque fois qu'ils s'approchaient à moins de vingt 20, de deux cents mètres de l'objet. Ce qui semblait étrange, comme le Millennium Falcon de Star Wars, Peter Lindbergh et Dennis Asberg sont tombés sur la masse géante de 180 pieds de diamètre le 19 juin 2011, alors qu'ils surveillaient la Baltique et observaient des images sonores sur le fond marin. Ils ont rapidement relevé l'anomalie en raison de sa forme circulaire et de, ses, et de saillie nettement droite. Ce mystère s'est ajouté à ce qui semblait être un vaste sentier, ce que certains auraient supposé être la preuve qu'un atterrissage forcé aurait pu avoir lieu. Peu de temps après leur découverte, Lindbergh et Asberg entreprirent de créer un documentaire relatant leur tentative de plonger et d'étudier l'anomalie. Les deux hommes ont perdu leur influence sur une exploration précédente dans laquelle ils ont retrouvé une cache de champagne millémisée d'un offrage de 1907 vendu à des prix records lors d'une vente aux enchères de Christie's. Cela leur a permis de se lancer dans l'audacieuse entreprise d'investigation de l'anomalie baltique qu'ils espéraient être soit un vaisseau spatial extraterrestre, soit une structure secrète nazie de la Seconde Guerre mondiale. En regardant l'imagerie sonore, l'anomalie a montré des caractéristiques intéressantes qui semblaient la distinguer d'une formation rocheuse naturelle. Les explorateurs ont indiqué ce qui semblait être un escalier et un trou arrondi entouré d'un cadre carré comme ce qu'ils pensaient être des éléments artificiels distincts. L'équipage est revenu à la surface avec des échantillons de l'objet qui ont ensuite été testés par Volker Bruchker, professeur agrégé de géologie à l'Université de Stockholm. J'ai été surpris lorsque j'ai étudié le matériau. J'ai trouvé une grande pierre noire qui pourrait être une pierre volcanique, a déclaré Bruchker. Mon hypothèse est que cet objet, cette structure a été formée pendant la période glaciaire, il y a plusieurs milliers d'années. On voit l'anomalie hein, de l'imagerie Malgré son analyse, Bruchkarn a déclaré qu'il était possible que les échantillons recueillis euh, couvraient quelque chose de sous-marin, quelque chose d'artificiel, et l'équipe d'Oceanix a estimé que c'était le cas. Il voulait revenir en arrière et capturer des preuves définitives, bien qu'acquérir le financement s'avérait difficile. Et l'évaluation de Bruchkarn n'a pas nécessairement aidé à la publicité, car les organes de presse qui affirmaient à l'origine que la découverte était un engin extraterrestre, se rendaient compte que leur, leur échantillon recueilli était simplement euh, du granit et du Nice. Les manchettes ont commencé à apparaître, ce qui a rapidement modifié le récit et qualifié l'anomalie de discrédité. Lundberg et Asberg, frustrés, N'ont toujours pas été en mesure de financer un autre voyage pour déterminer s'il s'agit vraiment d'un phénomène naturel ou artificiel. Moins de 5 des océans et des mers de la planète ont été explorés, et bien que la Baltique soit presque entièrement enclavée, il s'agit d'un im immense plan d'eau situé dans une zone extrêmement euh, disputée pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la mer Baltique euh, créait une frontière naturelle entre l'Union soviétique euh, alliée la Scandinavie neutre et les puissances de l'Axe du Troisième Reich. Inutile de dire que c'était un épicentre de l'activité navale, principalement dans la bataille pour le contrôle des États baltes de Lituanie, d'Estonie et de Lettonie. Dans la lutte pour le contrôle de ces biens immobiliers clés, d'innombrables mines ont été plantées et une guerre navale menée pour protéger les principales routes de navigation, en particulier pour les Allemands qui comptaient sur un approvisionnement en minerai de fer importé de Suède. Pendant ce temps, on pense que les Allemands ont construit des structures sous-marines pour brouiller les signaux de communication et éventuellement perturber les mines ennemies. Cela pourrait-il expliquer, expliquer pourquoi les équipements électriques de l'équipe d'oceanex est tombé en panne à moins de 200 mètres de l'anomalie. Les Allemands auraient également dirigé un programme clandestin visant à créer des soucoupes volantes ce qui a amené certains à penser qu'il pourrait s'agir d'un site de l'un des fous combattants nazis fugitifs. Ces explications potentielles sont plus pratiques qu'un vaisseau spatial extraterrestre, bien qu'elles soient tout aussi intrigantes. Mais selon la publication russe Pravdareport.com, des images d'ovnis auraient été aperçues dans la, Bal dans la Baltique, notamment lors d'un événement en 2008. Dans lequel un disque d'argent aurait été vu flottant autour de la province russe de Kaliningrad, bien qu'il y ait une pénurie de rapports pour corroborer cette information. Lindberg et Asberg n'ont publié aucune mise à jour de la page Oceanix depuis quelques années. Cependant, une vidéo de YouTube de 2012 semble montrer un nouveau cheminement vers l'anomalie d'un rover sous-marin. Malheureusement, la vidéo ne fournit pas beaucoup de réponses, ni même de choses distinctives visuellement car euh, beaucoup de sable et de poussière se sont accumulés, ce qui obscurcit la vue. Cependant, il y a un aperçu momentané de l'un euh, des murs de l'anomalie, montrant une paroi rocheuse qui semble trop lisse et bien formée pour être un élément naturel, bien qu'il s'agisse d'une observation d'un point de vue d'un profane. Dans des rapports ultérieurs, il a été euh, affirmé que des échantillons de roche avaient révélé que des échantillons de roche contenaient de la limonite et de la géolite, métaux. Un géologue, ne pourrait pas être retru... un, un, un géologue ne pourrait pas retrouver naturellement ces formations rocheuses sous-marines au fond de la Baltique. D'autres étudiants, les incohérences et les étranges caractéristiques de l'anomalie l'ont comparé au monument de Yonagoni au large des côtes du Japon, situé à seulement 25 mètres, au-dessus de la côte de l'île euh, Yonagoni-Jima. Euh, ces ruines antiques constituent un autre sujet de discorde parmi les, ar les archéologues qui se disputent sa provenance. Ces structures pourraient-elles avoir une relation ou sont-elles simplement des formations naturelles étranges À moins que Lindbergh et Asberg ne trouvent un sponsor pour financer leur, leur exploration, nous ne le saurons peut-être jamais. Vraiment intéressant, hein? mais je sais que peut-être que vous, vous aurez d'autres informations là-dessus. Je sais que j'en avais déjà parlé, ça avait fait... Beaucoup de vagues à l'époque, mais ça semble comme c'est le cas de le dire, hein, sans jeu de mots, tomber à l'eau. Je vous reviens.